Salut tout le monde, c'est Mister696. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Feed the Beast, sur le serveur Niribu. Et on s'était lâché la dernière fois devant le même endroit exactement. Donc chaque fois, pour l'instant, je fais mes débuts de vidéo devant ma petite maison de bits avec la petite porte en cœur un petit peu. Non, je vais pas dire ça parce que c'est un peu homophobe. Donc non, c'est voilà, c'est une porte de fille rose, etc. Donc voilà, petit rien d'autre. Et la dernière fois, j'avais oublié de vous préciser un petit truc pour que le four marche. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait donc d'autres machines. Donc il faut mettre une petite torche de redstone ici pour également allumer le côté qui est là. Enfin, pour que ça puisse marcher et que ça puisse pomper en quelque sorte. C'est pareil. Et on va se faire aujourd'hui donc. On va se faire deux choses. Bon, j'ai commencé les machines, il faudra que je fasse. C'est moi de nouveau. C'est pas le top top. Je crois qu'on se passe le bronze de la furnace. Et également, on va se faire un Aqueous Accumulator à la place de la pompe. Ça sera beaucoup plus puissant. Donc, c'est pas trop compliqué à faire. Donc, on va déjà commencer par faire les tin gear, donc c'est du tin et du fer, donc il en faut deux. Hop, ensuite il faudra que je fasse log grinder aussi en bronze, comme ça je pourrais avoir tout ça à transformer en poudre et ensuite à y cuire dans le four. Donc il me faut les deux là. Hop, ensuite ça se fait presque tout avec du verre, donc j'espère que j'en ai un peu. Je vais faire encore cuire un peu tout ça là, hop. On va juste récupérer ça. Tac. Pour l'instant, on va mettre ça là. Donc ensuite, on va déjà pouvoir mettre le seau qui est sur moi. Voilà, super. Donc ça va gaspiller ça, mais c'est pas grave. Deux verres à droite et à gauche. Hop. Ici, ici. Désormais AFK, c'est pas bien grave. Juste. Il faut que je lui demande du style parce que j'ai pas la possibilité d'en avoir pour faire cette petite machine. Si je pas de bêtises, c'est pas possible d'en avoir. Ouais, donc dans l'induction smelter, donc soit je fais dans le smelter, soit je fais dans. Parfait, on va faire ça d'abord. Donc, ça, au moins, j'aurai du style Blast Furnace. Voilà. Donc, c'est pas trop dur. J'ai l'impression que la musique est un peu trop forte dans mes oreilles. Hop. Hop. Donc j'espère en tout cas que la dernière fois ça vous aura plu, le dernier épisode ça vous aura peut-être aidé d'avoir des nouvelles machines comme ceci. Donc j'avais fait cuire un peu de ça et que ça, enfin, c'est utile mais ça on va très vite changer. C'est juste pour avoir les ressources de base vraiment. Hop hop comme ceci et ensuite on n'a pas assez de plaques. On va donc s'en faire trois. Hop. Tac, tac. Je crois que c'est à l'intérieur, si je dis pas de bêtises comme ceci. Tac, tac, tac. Des 4 briques. Donc ça se fait tout avec des briques et du bronze. Donc c'est, je trouve que ça donne un petit style quand même. Donc je me suis refait une wrench en bronze. Donc c'est pas ça qu'il me faut. Ok, donc c'est à l'inverse, bien sûr. Hein. Moi, j'ai pas souvent de chance avec ça. Hop. Et par contre, pour les cubes qu'on entoure, c'est les bronze plate. Break, voilà. Donc ça demande quand même pas mal de bronze. Et il en faut un certain nombre. Je vais voir combien il en faudra. Il en faut déjà beaucoup plus que ça. On va se faire le petit stack complet là. Hop. Voilà, excusez-moi. J'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Donc on va reprendre directement où nous en étions. Donc on a notre petit plate-furnace qu'on a fait. Et on avait dit qu'on devait faire des plated brick. Comme ceci. Donc, j'ai fait chauffer entre-temps des plaques à la place d'utiliser le marteau et comme ça vous montre que ça marche. Donc voilà, il y en a encore une qui sera là. Donc normalement, c'est en train de se transformer. Là, si vous entendez le bruit, c'est-à-dire que ça marche. J'ai mis une dizaine de charbon et il reste encore 3, donc c'est pas mal. On va aller prendre ça. J'ai remis aussi un petit four. Donc le grinder, je vais pouvoir commencer à mettre toutes mes petites ressources à faire transformer en poudre et ensuite je vais aussi faire un petit smelter
Ça pourrait nous être très utile. Alors, il nous en faut. Qu'est-ce que je calcule dans ma tête? 4, 5, 6. 4 plus. Attends, bon, c'est pas grave, on va pas calculer, j'arrive pas à calculer dans ma tête. Alors, on va prendre des briques, j'en ai plus, c'est pas grave, on va en refaire. Hop, comme ceci. Hop. Ça en fait pas beaucoup. Ça fait pas mal de bronze à utiliser. Mais c'est pas grave. Donc on va déjà commencer à les poser tout ça. Il me faut ma petite pioche, voilà. On va poser ça là en bas. Hop. Je creuse ça alors que j'avais posé. C'est pas bien grave. Donc là, il faudra pas que ça soit normalement alimenté. Bah, il faudra pas que ça soit alimenté directement. J'espère que je peux le récupérer. Oui, c'est bon. Tac. Il faudra pas que ça soit alimenté par la pompe, mais juste par du charbon qu'on transforme directement. Donc il faudra juste remplir tout ça et ensuite on met le blast furnace ici. Il faut juste que j'aille finir bah, tous les blocs qu'on a là. Ok, donc lui il a toujours pas fini. On va peut-être en refaire. On va mettre la moitié à faire cuire dans le hammer. Donc tac, tac, tac. Et tac. Ça nous en fera pas mal. Hop. Tac. Et tac. Comme ceci. Voilà, déjà, ça fait pas. Et nous revoilà à nouveau. Excusez-moi encore pour cette petite coupure. J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur qui devraient être réglés à partir de maintenant, puisque j'ai un peu réglé ma carte graphique qui avait quelques petits soucis. Donc, j'ai quand même filmé. J'avais filmé, mais ça a bugué, donc je vais vous montrer ce que j'avais fait. Bon, c'est pas spécialement très important, donc j'en ai fait 32 comme ceci. Ça, je vous avais déjà fait, j'en ai déjà fait 4 auparavant. Et ensuite, j'avais donc aussi fait le Blast Furnace, que j'ai commencé à poser ici en entier. Donc, comment il faut les placer? Donc, c'est 4 en un carré 3 sur 3 en bas. Donc tout autour, rempli. Et ensuite, le petit lag. Voilà. Et ensuite, bon, ça, la lave, c'est pas moi qui l'ai mise. Hein. Sachez-le, c'est pas moi, c'est les pommes. Enfin, il faut pas la mettre. Tout simplement, donc là, il y a juste tout en bas où il y a un truc au milieu pour tenir la lave en quelque sorte. Et ensuite, en dessus, il faut laisser pour que ça puisse évaporer bah, la vapeur. Normalement, puisque c'est avec les bronzes, ça doit toujours être avec de la vapeur. Donc comme c'est écrit sur le petit dessin ici, donc 9 en bas, 7 en dessous avec le blast furnace devant, ensuite 8 et 8 de nouveau. Et ensuite, bah, j'ai déjà commencé à faire chauffer pour, comme ça, je vais vous montrer ce qu'on obtient. Donc c'est super long, mais au moins on obtient du steel. Donc il faut mettre du charcoal et de l'iron ingot. Je crois que c'est 3 charcoal et 2 fer, je suis pas sûr, mais... Un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Style, voilà. Pour vous montrer aussi, vous pouvez le faire comme ceci. Donc avec deux coal dust et un fer. Sauf qu'on n'a pas encore de macérateur, donc on peut pas encore avoir de coal dust. Donc voilà. Hop. J'en ai déjà deux. Il faudra juste attendre le petit troisième pour pouvoir faire notre aqueous accumulator. J'en ai déjà pris un, voilà, ici. Comme ceci, et donc on va déjà bah, continuer à l'aquaeus. On peut plus ou moins le finir. Donc, et on peut faire encore cette pièce là. Donc, deux verres, deux fer et une redstone. J'ai bientôt plus de fer, il faudrait peut-être que j'en refasse un peu. Ça sera peut-être une chose à faire assez rapidement. Donc, on va se faire ça ici. Hop, tac, tac. Voilà, donc on se craft un pneumatique cerveau. Cerveau. Pas mal comme nom. Donc là, le craft, vous avez vu en bas, c'est pour se faire un chunk loader pour que la blast furnace puisse tourner bah, toute la journée sans que je dois être connecté spécialement à côté. Et ensuite, donc là, quoi, il nous faut encore la machine frame. Donc, il nous faut 4 verres et un lingot d'or. Voilà, comme ceci. Donc, ça, je peux en poser un.
Voilà. Comme ceci. Ça, on va laisser. On va laisser aussi. On va juste aller voir si c'est fini. Juste ici. Bientôt. Donc, en attendant, je vais vous montrer juste rapidement. Donc, ici, j'ai mis donc du charbon pour faire tourner le grinder. Et vous voyez que ça me donne un truc un peu bizarre. Donc, du crushed tin ore. Donc, c'est pas, faut pas faire attention. Enfin, c'est un peu pareil. Donc, ensuite, vous remettez dans le furnace. Donc, je vais mettre quelques charbons de nouveau ici. Et ça va de nouveau marcher. Donc, ça va nous donner du tin. Sauf que c'est un peu différemment. C'est juste que ça donne pas de la poudre. On met directement ça. Et ensuite, ben, les plates. Pour le hammer, il nous faut donc. Je peux essayer de vous montrer avec une plaque de fer. Donc je vais faire un bâtiment autour de tout ça après, ne vous inquiétez pas. Donc avec du fer, voilà, deux petits lingots de fer pour faire une plaque de fer. Donc attention quand même à la consommation de charbon. Donc ça peut être assez cher quand même en ressources. Donc voilà, vous voyez, tac tac tac, comme une forge. Et voilà notre petit. Donc ça c'est le plus rapide. Mince. Voilà, ça c'est vraiment la machine qui va le plus rapidement. Ensuite ici, bah, vous voyez, on a des tin ingots. Et ici, ça continue à produire de la poudre un peu de tin. Donc ici on est bientôt à la fin, mais vraiment bientôt. Donc on va pouvoir faire notre aqueous. Alors allez, encore un peu, on a encore une dizaine de secondes je pense. Donc aussi là j'ai réussi, on a trouvé, enfin j'ai trouvé d'autres baies. Donc cette fois-ci elles sont bleues, donc c'est pareil. Un petit clic droite sur celle où il y a les petites baies et vous récupérez. Bah là, c'est des myrtilles. Les autres, je sais pas exactement ce que c'est. Et pardon, pour vous montrer comment ça se craft, enfin comment ça se récupère. Donc c'est vraiment pas dur. J'en avais trouvé là, je crois. Ah bah non, ils ont disparu. Ok. Non, il faut pas que je fasse. Je vais pas faire ça. Ça sert à rien. Donc voilà. Manger la petite blueberry sans bruit parce que bah, les machines font beaucoup trop de bruit. Je sais pas si vous entendez la vapeur, ça fait ultra beaucoup de bruit dans le jeu, donc faites attention à ça. Donc normalement c'est bon là. Ah bah non, toujours pas. On va voir la transformation. Attention, pêche-toi un peu quand même. Allez, on va se faire nice. Voilà. Donc là, ça nous a utilisé donc 4 charcoal et 2 ou 1 iron lingot. Enfin, lingot de fer. Donc voilà pour les proportions. Donc ici, on va se faire donc le machine frame. Tac, 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 tac. Comme ceci. Hop. Et voilà, on a notre aqueous accumulateur. Donc ça va remplacer la pompe, ce sera plus rapide. Et on va pouvoir faire plus de machines sur la même pompe en quelque sorte. C'est un peu le même principe qu'une pompe. Voilà. Donc on redescend ici. On enlève ceci. Normalement, à la pioche, ça se récupère. Voilà, on enlève aussi celui-ci et on met l'aqueous accumulateur bah, juste en dessous. Et vous voyez qu'il se remplit d'eau. Et ensuite, on met ça juste ici. Et voilà, tac. Normalement, voilà, normalement, ça devrait pomper là-haut. Voilà, donc l'eau elle reste. On va pouvoir relier avec celui-là encore. Comme ceci, et on va pouvoir faire bah, la pompe. On va pouvoir l'utiliser peut-être pour pomper de la lave une fois ou quelque chose dans le style. Ça pourrait être très intéressant aussi. Bah, ça peut être intéressant et utile bah, dans d'autres machines ou constructions. Donc, est-ce qu'on peut essayer de faire autre chose encore? On peut tout commencer à pouvoir faire les macérateurs pardon, de base. Oula, d'accord. Ah, je me disais aussi, j'avais cliqué sur le mauvais. Donc il nous faut des steel plates, 3 diamants.
Ça, ce que c'est. Ok, donc il nous faut pas mal de style. Et le style, il faut aussi faire en échange avec Dave93 qui est dans le Nether. Et lui, il peut en récupérer pas mal. Parce que c'est un tout petit peu rare d'en trouver. Mais bah, on pourra faire des échanges avec lui. Ça peut être aussi très intéressant. Et c'est aussi le but de ce serveur, de faire des échanges entre certains mondes. GG, ça fonctionne. Ah voilà, bah, c'est lui qui m'a aidé, hein. Donc je le remercie. Il m'a aidé un peu pour ma carte graphique. Donc, je vais lui dire que je tourne. Il va faire un petit coucou peut-être. Donc je vais essayer de lancer aussi une petite série avec lui. Ça peut être aussi intéressant. Ouais, ça, c'est un peu un bon pote à moi. Et bah, il est aussi youtubeur. Donc on peut très bien faire des vidéos. Vraiment une série ensemble. Peut-être une série modée, je pensais. Ou peut-être un multigaming qui va bientôt arriver. Un nouveau. Il faut juste que je le tourne en entier. Donc vous inquiétez pas pour ça. Ça devrait arriver. Et normalement, maintenant que mon bug d'ordinateur est réparé. Normalement, je devrais pouvoir tourner un tout petit peu plus. Parce que là, j'avais un peu des problèmes. En tout cas, j'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Et le trailer également. Donc, je récupère un tout petit peu de bouffe là. Hein, ça peut être utile. Hop, 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 hop. Voilà. Une petite allée de nourriture. C'est assez sympa. Donc, on va aussi bientôt commencer à construire. Donc, il faut juste que j'appelle un peu. Enfin, que je voyais avec Benoît pour. Pour construire ça, pour voir comment on va se placer là-dedans. Donc il faudra qu'on aplatisse un peu tout ça, mais ça va pas prendre spécialement beaucoup de temps et ben, ça va venir à la longue d'avoir des bâtiments un peu sur tout le long. Donc là on va faire par exemple un bâtiment bah, pour l'ère du bronze. Et bah, je pense que ça sera tout. Je vais peut-être essayer de faire un extracteur encore. Extractor. Voilà. Ok, donc ça je peux le faire également. Donc ça je le ferai peut-être aussi. En fait non, même pas en fait. Ah si en fait oui, ça peut m'être utile pour, bah, pour le rubber, sauf qu'on n'en a pas beaucoup d'utilité. Vous voyez qu'on en a quand même pas mal. Donc si je fais U, ça me donne l'utilité. Ouais, donc ça c'est pas spécialement le plus utile. Ouais, bon, toujours pour les câbles, mais voilà, c'est plus autant utile qu'avant. Plus aussi important puisqu'on utilise d'autres sources, donc je verrai pour le faire peut-être un compresseur, ça peut être utile aussi, enfin pour la suite, mais pour l'instant je vais rester comme ça. Je vais faire en tout cas le smelter qui va pouvoir me faire des alliages pour avoir des nouvelles machines de Gregtech. Donc là donc tout le mode qui est là c'est du Gregtech et bah, on va pouvoir faire toutes les machines un peu bah, pulvériseur etc. Donc c'est autre que Industrial Craft 2 comme j'utilisais auparavant. Donc ça par contre c'est Industrial Craft 2, je sais pas si je vais l'utiliser, je suis même pas sûr si je vais vraiment l'utiliser une fois, mais c'est pas grave, j'avais fait comme ça. Voilà, par la suite on aura sûrement de l'énergie, comme ça on va bien y arriver un jour. Mais bon voilà, je crois que je crois que je sais pas si je vous avais montré ça. Je vais vous montrer vite fait comment on craft ça. Auto crafting table, c'est pas trop dur. Donc voilà, 5 rouages, 4 rouages en bois et une table de craft. Oui, je vous avais expliqué, je crois. Je crois que vous avez expliqué. Donc là, on va retourner un peu miner aussi parce qu'il commence à nous manquer un peu de ressources. Je vais pouvoir faire aussi des échanges avec les autres participants au serveur. Et la prochaine fois, on va essayer de se faire une petite farm à bois qui va nous donner du charcoal un peu plus illimité pour pouvoir nourrir plus abondamment. Le Blast Furnace, voilà, je crois que j'ai tout dit pour cet épisode 3, donc excusez-moi pour les petites coupures qu'il y a eu bah, au milieu de l'épisode, mais au moins ça m'a permis de crafter les choses un peu chiantes, on va dire, les trucs un peu répétitifs, et bah, ça peut, c'est toujours la même chose, hein, donc c'est pas plus dur de comprendre ce que j'ai fait au début que bah, ce que j'ai construit par la suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, un petit pouce vert, bleu, pardon, attention. Ça me ferait toujours plaisir et si vous aimez vraiment, partagez ou abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Allez, ciao tout le monde.